tu es dans une actualité dans nos régions, je vous le disais, très politique. Elle se passait hier du côté du Havre, où Édouard Philippe a accueilli Emmanuel Macron pour les commémorations des 80 ans de la libération du joug nazi. Si les deux hommes ont affiché une certaine complicité, ils n'ont pas non plus manqué de se faire passer quelques messages. Aurélien Romano. Commémorer la libération du Havre il y a 80 ans, ville martyre rasée par les Alliés, était prévue de longue date. Édouard Philippe avait invité le président en avril dernier, bien avant la séquence politique ouverte par la dissolution. Depuis, le maire du Havre s'est encore plus émancipé de son ancien patron en annonçant sa candidature pour la présidentielle 2027. Une annonce qui a irrité le chef de l'État, mais qui hier n'en a presque rien montré. Tout juste a-t-il glissé « Je suis surtout concentré sur ce qui se passe aujourd'hui. On ne va pas se mettre en mode pause jusqu'en 2027. » Lors d'un bain de foule, les deux hommes se sont même montrés joyeux et complices. Vous avez mis des filtres curieux, là. Ah bon ? C'est bien, il faut la garder. Interrogé sur la nomination des ministres, le président de la République prétend se tenir désormais à distance. Et c'est au Premier ministre. Il travaille, il écoute, il concerte, il va bâtir. Et surtout, on a une ère nouvelle avec un Parlement aussi qui représente la France dans sa diversité et qui va supposer des compromis. Et c'est au gouvernement de porter des projets, de faire passer des textes de loi, mais aussi d'administrer. Emmanuel Macron s'est aussi prêté à l'exercice qu'il affectionne, celui de répondre aux interpellations des passants sur sa politique et ses décisions. Là, on le voit, c'est retrouvailles entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, les premières depuis la déclaration de candidature d'Édouard Philippe à la présidentielle. Alors, on l'a vu, Pablo, une complicité affichée, mais quelques piques bien sentis. Oui, quelques piques, mais globalement, l'image qu'il voulait donner à voir, c'est de la roue en foire. C'est vraiment, on s'amuse, on s'aime bien, on se tape dans le dos. Nous avons collaboré ensemble, puisque quand même l'un était Premier ministre lorsque l'autre était président de la République. Aujourd'hui, ils sont dans deux histoires différentes, ils ont pris deux trajectoires différentes, mais ça ne fait pas d'eux des ennemis politiques. C'est ça juste qu'ils ont voulu montrer. Mais ce que ça montre aussi, c'est qu'on est vraiment dans un moment de communication politique intense, où c'est presque ça qui prend le pas, en fait, sur le fond de la politique, parce qu'il ne s'est pas dit grand-chose hier, et pourtant, ils ont réussi à avoir toutes les caméras pointées vers eux. Ça ressemble un peu, on en parlera tout à l'heure, à ces journées parlementaires des Républicains, c'est-à-dire que c'est que de l'affichage. Ils s'affichent, ils disent pas grand-chose, mais ils s'affichent avec des grands sourires en disant... à la fois, le moment que l'on passe est un moment politique intense. On ne sait pas trop pourquoi. Et puis, ils distillent des rumeurs. Comme vous avez dit, il y a quelques petites piques qu'ils envoient. À chaque fois, c'est des petites piques. Il y a des messages subliminaux, etc. Des choses vraiment très allusives pour essayer de remplir un moment politique où il n'y a finalement pas beaucoup d'action politique. Je rappelle, il est quand même président de la République, mais il ne prend pas beaucoup de décisions en ce moment. Le Parlement ne s'est toujours pas réuni en session et on n'a pas de gouvernement. Oui, bon, après, c'est le principe, c'est-à-dire que forcément, il fait bien en fonction de la situation politique au moment où il l'affronte. Effectivement, ennemi non, vous l'avez dit, Pablo, mais adversaire avec des intérêts divergents, oui, aujourd'hui c'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Édouard Philippe s'est lancé dans la campagne, et il l'a fait quand même de manière truculente, avec des déclarations très fortes vis-à-vis d'Emmanuel Macron et vis-à-vis du bilan d'Emmanuel Macron, dont pourtant il est quand même comptable de toute la première partie du premier quinquennat. 3 ans quand même, Édouard Philippe, il est resté. C'est aussi ça qu'Édouard Philippe, ce à quoi Édouard Philippe doit faire face, c'est ce procès finalement aujourd'hui en déloyauté vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis de celui qui lui a donné toute cette expérience d'ancien Premier ministre. Et ensuite, il y a quand même eu aussi un certain nombre de critiques qui ont été adressées à Édouard Philippe au moment de sa déclaration de candidature, qui a été jugée inopportune par une majorité de Français. 60% des Français, quand même, ont considéré que le timing n'était pas le bon. Voilà, Emmanuel Macron ne pouvait pas faire comme si c'était rien passé. Alors forcément, c'est compliqué d'aller intervenir sur le fond, sur un déplacement comme ça, au moment même où il y a quand même aussi d'autres priorités pour les Français. Mais le symbole d'Emmanuel Macron qui se déplace sur le territoire même de son ancien Premier ministre et qui montre finalement qu'il n'est pas dérangé par celui-ci et que ça ne lui fait pas peur, c'était aussi important, je pense, pour le chef de
de l'État de montrer qu'il n'était pas perturbé. Donc c'était effectivement un concours de popularité entre deux hommes hier. Et de montrer que la page du macronisme n'est pas forcément tournée, comme l'a laissé supposer l'interview d'Edouard Philippe. Oui, effectivement, qu'il y a quand même, des liens avec ce passé d'Edouard Philippe, qui est quand même non négligeable. Hein, Premier ministre, c'est quand même pas rien. Comme l'a dit Louis, il est comptable d'une certaine partie de ce qu'a avancé, de ce qu'a fait le macronisme. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que là, pendant 3 ans ou moins, hein, on ne sait pas trop quand est-ce que va avoir cette... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parient sur le fait que la présidentielle aura lieu plus tôt parce que Emmanuel Macron va démissionnerait avant 2027. J'y crois pas trop, mais enfin, c'est dans les hypothèses et dans les rumeurs qui courent en ce moment. Et Edouard Philippe y participe d'ailleurs. Exactement. Hein, Edouard Philippe a dit qu'il se tenait prêt en cas de démission du chef de l'État. Exactement. Donc, il laisse supposer que c'est une hypothèse viable. Tout le monde alimente effectivement ce moulin à rumeurs sur la démission d'Emmanuel Macron. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, d'un autre côté, lui, il ne pourra pas être candidat à sa réélection puisque c'est interdit par la Constitution. En revanche, comme il l'a affirmé et vous avez mis en exergue cette phrase, il a dit « je ne vais pas rien faire jusqu'à 2027 ». Parce que le risque, c'est que Edouard Philippe, en rentrant en campagne dès à présent pour la présidentielle, empêche Emmanuel Macron, président de la République, qui ne peut pas se représenter, d'agir politiquement, puisque on imagine que, y compris à l'Assemblée nationale, les députés, y compris au Sénat, les sénateurs, seront tout tournés vers la présidentielle, de choisir dans quelle écurie ils se situeront. Ils diviseront une majorité qui est déjà compliquée à constituer. Donc c'est ça qu'Emmanuel Macron a en tête et qui le gêne, parce que je pense, et on est même sûr, et on le sait, il a encore des réformes à faire passer. Il a une action à la tête de l'exécutif à mener, et il entend aller jusqu'au bout de son mandat en faisant des choses. Et là, si tout le monde se déclare maintenant en campagne présidentielle, Gabriel Attal, Edouard Philippe, etc., il ne va plus avoir beaucoup d'espace, Emmanuel Macron. C'est la question de la légitimité du chef de l'État. En fait, à partir du moment, vous le savez, hein, c'est une règle en politique, à partir du moment où vous êtes élu et que vous ne pouvez pas vous représenter à votre propre succession, eh bien, votre guerre de succession est dès lors déjà ouverte. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron doit garder toute sa légitimité le plus longtemps possible, alors même qu'il sait très bien que en sous-main, tout le monde pense à la suite, à l'après. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que finalement, c'est un peu paradoxal qu'Emmanuel Macron ait quand même accepté ce déplacement, parce qu'il donne de la visibilité à son ancien Premier ministre. Et forcément, aujourd'hui, on en parle, alors qu'il ne se serait pas déplacé hier au Havre, ce matin, on n'en parlerait pas. Donc il y a évidemment la question... D'autant plus dans une ville où il est très populaire, évidemment, on a vu les images. Ouais. Parce que pour Edouard Philippe, il y a quand même la question de l'espace politique qu'il va réussir à occuper pendant 3 ans. C'est pas simple pour un ancien Premier ministre de continuer à faire parler de lui. Il y en a d'autres par le passé qui s'y sont essayés et qui n'ont pas toujours réussi cette épreuve. Tant qu'il n'est pas au Parlement, alors que tout se joue beaucoup à l'Assemblée nationale. Et que, en plus, une partie de ses anciens collègues politiques, de sa famille politique, s'apprête à gouverner. Quel va être l'espace politique d'Edouard Philippe finalement dans cette situation? C'est très périlleux. Ce qu'il faut noter par ailleurs hier, c'est que le bilatéral qui devait avoir lieu entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe n'a finalement pas eu lieu, faute de temps, dans l'agenda du président. Après, juste rappeler que Emmanuel Macron était au Havre pour célébrer le 80e anniversaire de la libération de la ville, et que Edouard Philippe est le maire, et donc que c'était assez logique qu'il s'y retrouve. Enfin, je veux dire, bien évidemment, il y a des intentions politiques derrière, mais il y a aussi ces commémorations à célébrer dans l'agenda du président de la République auquel il ne peut pas couper, et c'est même important qu'il honore ces rendez-vous-là. Alors, Edouard Philippe qui avait rencontré Michel Barnier à mercredi lors de la journée parlementaire de son parti, Horizon, Michel Barnier, qui hier a retrouvé ses terres savoyardes et sa famille politique. Il était aux journées parlementaires des Républicains. Si l'accueil a été chaleureux, la droite ne s'est pas privée de poser des conditions. Samia Dechir avec Jérôme Rabier et Adrien Pain. Ils accueillent l'un des leurs. Hier, Michel Barnier a eu droit à une haie d'honneur des parlementaires de droite réunis à Annecy. Je viens leur dire leur amitié, et mon amitié, et pour aussi trahir confiance avec eux.
Le Premier ministre est ici, en famille. Sa famille politique qui s'apprête à intégrer son équipe alors qu'elle refusait encore toute participation au gouvernement avant sa nomination. La décision évidemment qu'on a prise, c'est de s'engager à ses côtés et il aura le soutien très clair de tous nos parlementaires. Ce soutien, et vous le savez, ça n'était pas notre position initiale, pour aller jusqu'à la participation au gouvernement pour l'aider à réussir. Parce qu'on ne peut pas laisser la France bloquée pendant des mois, comme ce qu'on a connu. Et tout simplement parce que le fait que ce soit un Premier ministre de notre famille politique change la donne. Un revirement assumé, il faut dire que les LR auraient tort de faire la fine bouche. Michel Barnier s'engage à reprendre l'essentiel de leur pacte législatif, un ensemble de 13 mesures proposées par la droite au lendemain des législatives anticipées. À partir du moment où le Premier ministre nous dit que l'essentiel de notre pacte législatif sera repris dans son programme de gouvernement, il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance puisqu'on travaille ensemble depuis très longtemps. Michel Barnier s'engage à mener une politique de droite et a promis à son parti qu'il aurait les coudées franches. Désormais, on a la certitude qu'on aurait un Premier ministre qui ne sera pas un collaborateur, mais un Premier ministre de plein exercice. La configuration s'approche beaucoup plus d'une cohabitation que de la situation classique qu'on connaît sous la Ve République. Mais il n'y aura pas que des ministres de droite dans le gouvernement Barnier. Pas sûr qu'il puisse tenir toutes ses promesses s'il veut garder le soutien des macronistes. Alors on voit, on l'entend, la ligne politique des Républicains, Louis. Ils ont mis un délire à Matignon. Est-ce que d'abord c'est jackpot pour les Républicains compte tenu de leur score en législative? Et deuxièmement, quelle ligne politique, Bruno Retailleau prend bien soin de préciser, c'est une cohabitation? Ouais. Alors est-ce que c'est jackpot pour les Républicains finalement? C'est la question. Jackpot oui, mais jackpot pour combien de temps? Parce que jackpot pour deux mois, c'est pas un véritable jackpot. Évidemment, lorsqu'on regarde par rapport au poids uniquement à l'Assemblée nationale, on se dit qu'ils vont gouverner alors qu'ils ont très peu de députés, ils ont eu très peu de députés élus. Maintenant, ils sont quand même dans une situation qui est pour le moins inconfortable parce qu'il va falloir réussir quand même à rassembler à la fois les parlementaires qui aujourd'hui sont dans le groupe Renaissance, et Gabriel Attal a déjà dit qu'il ne délivrerait pas un blanc-seing à son successeur, et en même temps, ils vont devoir réussir aussi à ne pas avoir de motion de censure de la part du Rassemblement national. Ce qui est quand même pas simple. Alors évidemment, vis-à-vis du Rassemblement national, il y a un certain nombre d'éléments de négociation qui sont sur la table, dont on a déjà entendu parler, et en premier lieu, la proportionnelle, qui va permettre probablement à Michel Barnier de gagner du temps, mais on se doute bien que ça va pas tenir éternellement. Donc la question finalement, c'est vraiment, effectivement, de la durée de ce nouveau gouvernement Barnier. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a eu un changement de doctrine par rapport à cela, de notamment Laurent Wauquiez, qu'on vient d'entendre. Laurent Wauquiez qui, auparavant, ne voulait pas du tout participer à ce gouvernement, et aujourd'hui qui se dit que ça peut être pertinent d'y participer, quand bien même c'est temporaire, pour éviter d'ailleurs d'être occulté complètement du débat public pendant les prochains mois. Hier, au sortir de ces journées parlementaires DLR, franchement, à voir les mines réjouies de tous ces cadors des Républicains, c'était vraiment la folie à London. Hein. Enfin, en fait, pour eux, c'est le miracle de Lourdes. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils perdent tout depuis des années, ils font des scores microscopiques à toutes les élections nationales, et tout d'un coup, ils se retrouvent avec un Premier ministre, et du coup, tout le monde se dit, tiens, je vais être ministre. Et puis, c'est pas des petits ministères. Hein. Qui veut l'éducation nationale? Qui veut le ministère de l'économie, et vas-y que je veux la défense, et vas-y que je veux les affaires étrangères. Enfin, c'est de la folie furieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens, en fait, à ce que 30 ministres soient sortis du contingent LR, vu leur score, encore une fois, aux dernières élections. On peut toutes les prendre, hein, présidentielles, européennes, législatives. À chaque fois, ils se sont ramassés, ils ont fait des scores tout petits. Moi, ce qui me pose problème, c'est que on ne sait pas finalement pourquoi Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier. Non, mais pardon, mais il suffit de regarder le fonctionnement des institutions. C'est très clair. L'intérêt d'avoir un gouvernement aujourd'hui, c'est pas de rassembler le maximum de députés avec soi, c'est qui va rassembler le moins de députés contre soi. Mmh. Voilà, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron si le NFP n'est pas parvenu à cet exercice. Je suis d'accord, ils vont être super contents chez Renaissance de voir que tous les portefeuilles sont distribués au LR. Bah non, ils vont pas être contents.
content. Et d'ailleurs, il commence déjà à dire ah non, mais attendez, c'est pas possible. Si le ministère de l'économie va à telle personnalité. Tout d'abord, on n'en sait rien. Pour le moment, on n'en sait strictement rien. On n'en sait rien. Mais donc, nécessairement, vu ce que commence à dire. Non, je fais pas de projection. J'écoute ce que disent les députés Renaissance sur les plateaux télé et à la radio. Et ils commencent déjà à s'énerver et à dire écoutez, on va pas falloir. C'est pas un gouvernement LR qu'on veut voir à la tête du pays. Si jamais il y a trop de ministres LR, ben il y aura un lâchage d'une partie de Renaissance. Et d'ailleurs, lorsqu'on écoute Gabriel Attal, qui est quand même le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, il est loin de donner un blanc-seing à Michel Barnier. Il a dit on va faire attention et à la moindre incartade, si jamais ça ne nous plaît pas, nous aussi on pourra rentrer en opposition à ce gouvernement. Donc le risque est énorme et je reviens à Emmanuel Macron parce que finalement c'est Emmanuel Macron qui a nommé mais qui a surtout choisi Michel Barnier. L'a-t-on vu à un moment se justifier de ce choix? Il s'était engagé à ce qu'il a trouvé un Premier ministre qui n'est pas une motion de censure, enfin qui puisse travailler, qui n'est pas une motion de censure immédiatement. Alors il dit l'avoir trouvé, mais est-ce qu'il s'est justifié, est-ce qu'il nous a expliqué, est-ce qu'il a expliqué aux Français et aux Françaises comment ça allait marcher? Parce que moi sur le papier, je vois un monsieur qui a été choisi dans un groupe qui avait une quarantaine de députés à l'Assemblée nationale et je me dis bon bah il va être censuré. Je vois pas pourquoi je croirais autre chose qu'une censure a priori de Michel Barnier. Alors après on me dit ah bah oui mais il a dealé avec Marine Le Pen, il a dealé avec son propre groupe Renaissance pour ne pas qu'il y ait une censure. Mais ça, il aurait dû nous l'expliquer. Il aurait dû dire bah, j'avais pris l'engagement qu'il n'y ait pas de motion de censure, que le gouvernement ne tombe pas tout de suite. Donc voilà ce que j'ai fait, voilà le deal que j'ai fait avec Marine Le Pen et avec mon propre groupe Renaissance. Et il ne l'a pas fait. Je pense qu'il a eu tort. Pablo, il n'y a pas eu un deal secret. C'est pas comme ça que ça se passe. Je ne parle pas d'un deal secret, justement. Je dis qu'il le mette sur la. Non, mais bien sûr. Mais on voit bien qu'il a consulté, Emmanuel Macron a consulté un certain nombre de candidats premiers ministres, on s'en souvient, il a reçu Bernard Cazeneuve, ça a été même critiqué. Mais tout ça, c'est de la rumeur. C'était officiellement l'agenda du président de la République. Oui, c'est de la rumeur. Il a reçu Bernard Cazeneuve, il a reçu François Hollande aussi, Xavier Bertrand, il a reçu Édouard Philippe. Bien sûr. Il a pensé pour être Premier ministre, il a beaucoup consulté. Et à chaque Premier ministre potentiel qui recevait à l'Élysée, François Hollande et Édouard Philippe aussi. Il posait la question, comment est-ce que vous comptez faire pour ne pas être renversé? Voilà. Et visiblement, c'est Michel Barnier qui a réussi à être le plus convaincant. C'est pas Emmanuel Macron qui a organisé lui-même en appelant les chefs de parti et qui a demandé, qui a tenté de dealer avec Marine Le Pen le fait de ne pas renverser Michel Barnier. Tout cela est quand même très opaque. C'est quand même le principe du fonctionnement de nos institutions. À aucun L'opacité moment, Non, mais à ah bon aucun moment, le président de la République ne doit faire tous ses bilatéraux de manière publique. À c'est aucun pas comme moment, ça que ça le fonctionne, président de la République Pablo. Ne doit choisir, en fait, le Premier ministre. Il doit le Pardon nommer, mais il doit le nommer, bah, il ne doit pas le choisir. Et là, il a outrepassé son rôle. Pourquoi pas, à vrai dire c'est Il dans, a outrepassé c'est dans la Constitution, son rôle. Hein, le président de la République nomme le Premier ministre. Oui. Hein, donc, il le nomme, il ne le choisit pas. Et la différence est quand même très importante. Oui, il le nomme sans le choisir. Normalement, il le nomme au sein, parce que c'est le choix de le groupe qui est arrivé en premier à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr que non. L'enjeu pour le président, encore une fois, c'est d'assurer la stabilité des institutions. Oui. Voilà. Et très pour bien. Assurer la stabilité des institutions, comment... l'enjeu n'est pas de nommer le Premier ministre du groupe parlementaire qui réunit le plus de parlementaires, c'est de nommer le Premier ministre tradition et la qui culture. En réunit le moins contre lui. Dont acte. C'est ça le principe pour ne pas être renversé. Très bien. Et c'est l'erreur fondamentale du NFP, c'est de ne pas avoir compris ce principe de base. Mais le problème à moins qu'il l'ait compris et que volontairement ils aient décidé de ne pas gouverner, ce qui est probablement le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque a dit qu'il n'appliquerait rien que le programme du NFP, ce qui évidemment n'était pas contredit immédiatement par tous les cadres du NFP, mais on voit bien qu'il y avait déjà des divergences. Mais le problème, c'est que moi, encore une fois, c'est une question de lisibilité. Encore une fois, il s'est engagé effectivement à la stabilité de nos institutions, à avoir un gouvernement qui ne tombe pas. Et derrière, je ne sais pas en fait ce qu'il a mis en place, ce que Michel Barnier compte mettre en place pour précisément s'assurer cette stabilité. Et je pense qu'il y a un problème de rapport en fait aux Français et aux Françaises qui ont quand même voté début juillet souverainement et derrière qui ne comprennent pas trop ce qui se passe au sommet de notre État. Alors on va voir avec Quentin qu'il y a quand même plusieurs thèmes qui crispent au sein de cette alliance entre macronistes et LR. Voilà, la nomination de Michel Barnier n'a pas résolu certains clivages
clivages idéologiques au sein de ces différentes familles politiques. Alors, sur le plan économique, c'est peut-être le plus simple, a priori. Michel Barnier vient des LR. Et ils sont en général tous des libéraux en économie. Le gouvernement va donc pouvoir continuer à mener une politique de l'offre. Sauf que les caisses de l'État sont vides, le déficit se creuse dangereusement. D'où cette question qui va s'inviter très rapidement dans le débat. Faut-il taxer davantage certains profits? C'est tout le débat qui va s'ouvrir avec l'examen du budget. Bruno Le Maire lui-même en a parlé lundi en audition devant les députés. Il a dit qu'il fallait tailler dans les dépenses publiques, également taxer davantage les compagnies d'énergie ainsi que les rachats d'actions, en soumettant même au Parlement un budget rectificatif pour l'année 2024. Une idée qui risque de ne pas plaire à droite. Autre thème qui divise, la question des retraites. Voilà, invité aux 20h de TF1 le lendemain de sa nomination, Michel Barnier a dit lui-même vouloir ouvrir le débat sur l'amélioration, je cite, de cette loi pour les personnes les plus fragiles, tout en excluant de tout remettre en cause, fin de citation. Il faut dire que la réforme votée au printemps 2023 ne règle pas le problème, puisque d'après le Conseil d'orientation des retraites, le régime général des retraites pourrait rester déséquilibré pendant de nombreuses années. Le sujet est complexe, trouver un terrain d'entente va être très compliqué, d'autant qu'une première épreuve se profile pour le gouvernement. Le Rassemblement national veut abroger la réforme des retraites. Un texte a été déposé dans la niche parlementaire prévue le 31 octobre pour le RN. Enfin, dernier sujet qui bloque au sein de l'alliance entre macronistes et LR, c'est la question de l'immigration. Voilà, c'est sans doute le thème qui revient le plus quand les parlementaires évoquent leur ligne rouge. Les LR en ont fait une des priorités avec la sécurité. Écoutez Laurent Wauquiez hier à Annecy au micro de Jérôme Rabier et Adrien Pain. Notre conviction, c'est que sur un certain nombre de domaines, on a besoin d'une politique de droite. Pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'il y ait moins d'immigration. Et notre engagement sera aux côtés de Michel Barnier pour l'aider à ce que ces politiques puissent être menées. Voilà, de leur côté, toute une partie des macronistes ne veulent pas revivre le débat de l'hiver dernier, un sujet donc très sensible entre ces formations politiques. Est-ce qu'il sera possible de s'attaquer à ces sujets, l'immigration, la réforme des retraites, compte tenu du contexte politique? Bah, ça va être évidemment très compliqué, ça va être le premier baptême du feu finalement pour ce gouvernement Barnier, avec évidemment la réforme des retraites, ce qui est un sujet explosif, parce que finalement, on voit bien que sur ce sujet-là, il y a une majorité très clair, favorable à l'abrogation de la réforme. La chance, c'est que personne, pour le moment, LFI n'est pas apte, et le NFP, de manière dans sa globalité, ne souhaite pas voter le texte du RN et inversement. Donc c'est probablement ce qui permettra de ne pas abroger la réforme dans un premier temps, mais il y a quand même les autres sujets qui vont être mis sur la table, et notamment les sujets d'immigration, les sujets de sécurité. C'est un crash test, si vous voulez, pour Michel Barnier, et globalement pour tous les LR, parce que s'ils ne font rien, ils seront comptables de ce bilan d'inaction par la suite, alors même qu'il est assez probable qu'il soit renversé quand même avant la fin du quinquennat. Et si au contraire ils vont trop loin, ils sont quasi sûrs d'être renversés instantanément. Donc la situation est quand même pour le moins inconfortable pour le gouvernement Barnier pour les mois à venir. La situation est d'autant plus inconfortable que quand on regarde le discours de Michel Barnier depuis le début de sa carrière, bon, c'était il y a pas mal de temps, hein, il est devenu député en 1978, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même une assez grande versatilité, c'est-à-dire qu'il a varié sur énormément de points, de sujets, notamment lors de la dernière primaire des LR, hein, en 2021, où là, il a carrément pris le contre-pied de tout ce qu'il défendait auparavant, notamment en matière de respect des institutions européennes. Tout d'un coup, il fallait en finir avec ça en 2021 parce qu'il y avait un bouclier constitutionnel pour se protéger de la Cour de Bruxelles. Exactement. Il a aussi envoyé valdinguer toutes ses valeurs sur la question migratoire. Dans les années 2000, il défendait une Europe ouverte, une Europe qui se dotait d'outils pour accueillir les gens qui venaient d'ailleurs. Et tout d'un coup, en 2021, il voulait un moratoire, il voulait
voulait arrêter l'immigration pendant 3 à 5 ans. On peut se dire aussi que la situation a quelque peu changé sur le terrain et qu'effectivement la situation migratoire peut aussi justifier un changement de doctrine en la matière. Là, c'est un problème de rapport aux valeurs. Mais en l'occurrence, effectivement, la situation a changé. Les valeurs sont obligées de changer non plus comme des girouettes. L'humanité n'est pas quelque chose qui se négocie. Évidemment, mais quand la question des moyens, la question aussi de l'afflux migratoire n'est pas le même en 2021 et en 2020. Donc, il suffit de regarder les chiffres. Peut-être que vous pouvez voir une logique là-dedans. En tous les cas, et les papiers à l'époque en témoignent, l'entourage de Michel Barnier, notamment ceux qui avaient travaillé avec lui à la Commission européenne, n'ont pas compris ce revirement, si ce n'est un élan populiste pour essayer d'être le candidat à la présidentielle pour la droite. Donc c'est assez compliqué de savoir ce que pense aujourd'hui Michel Barnier, la direction qu'il entend prendre avec son gouvernement. Mais si je prends certains points que vous avez cités, Quentin, sur la question des retraites, c'est vrai qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui veut son abrogation. Il y a une complexité pour obtenir cette abrogation, puisque, comme l'a dit Louis, la première niche parlementaire est réservée au groupe qui est le plus important à l'Assemblée nationale, et c'est le Rassemblement national qui va proposer une abrogation de la réforme. Et le problème, c'est que le NFP ne va pas vouloir la signer parce que ça créerait un précédent. Ils veulent pas la voter, parce que c'est après, ça veut dire qu'ils pourraient voter des propositions de loi ou des motions de censure qui viendraient du Rassemblement national. Donc ça va être compliqué. Parce qu'il nous reste plus que 5 secondes. Je termine en disant que je sens ce qu'ils vont proposer. Ils vont proposer une réforme hyper techno. Michel Barnier va faire un truc hyper techno où il va avancer des critères de pénibilité, machin. Il va noyer le poisson pour essayer de dire, voyez, je l'ai vachement amélioré, la réforme des retraites, par rapport à ce que c'était avant, alors qu'en fait, ça n'aura pas changé. Il aura juste créé encore un écran de fumée technocratique devant une réforme qui est profondément impopulaire. Et vous reviendrez en débattre, évidemment. Le vendredi, c'est veille de week-end et on part à la découverte de notre patrimoine. Jérôme Rabier nous emmène découvrir la chapelle de Saint-Jean. C'est à Sens, dans l'Yonne. Elle est au bord de l'effondrement. Alertée par des passionnés, la Fondation du patrimoine a sélectionné l'édifice dans le cadre du loto du patrimoine. L'espoir de sauver ce joyau patrimonial rennais. Même pour une partie des habitants de Sens, dans l'Yonne, c'est un joyau qui est parfois oublié. Il faut dire que la chapelle Saint-Jean est à l'abri des regards, jouxtant un EHPAD géré par l'hôpital de la ville. Depuis désormais plusieurs années, l'édifice est entouré de barrières pour en empêcher l'accès. Depuis quelques années, une dizaine maintenant, elle est fermée au public et on a vite fait d'oublier les monuments, même un monument aussi important, à quelques centaines de mètres de la cathédrale. Historien de référence de la ville de Sens, Bernard Brousse est intarissable sur le sujet, retraçant avec passion l'histoire du lieu. On peut remonter même, vous voyez, à l'époque mérovingienne, à l'époque de Clovis, avec l'archevêque Hérat qui fonde ici l'abbaye de Saint-Jean. Mais évidemment, au cours des siècles, il va se passer beaucoup de choses. Et le bâtiment que vous avez là, c'est l'époque de Saint-Louis. Là, nous sommes au XIIIe siècle, le beau XIIIe siècle. Et d'un simple coup d'œil, on distingue les ravages du temps sur un bâtiment délaissé. Mais pour ces passionnés, il n'est pas question de laisser cet ouvrage s'effondrer. En 2020, nous avons créé notre association SOS Patrimoine Oublié et nous avons tout de suite été alertés sur la chapelle Saint-Jean. Si l'extérieur a souffert, c'est depuis l'intérieur que la chapelle révèle sa beauté. Ce qui frappe évidemment, c'est la lumière, la luminosité de l'ensemble. Ce qui explique que l'ensemble, vous voyez, semble très léger et monte vers le ciel. Les voûtes là-haut sont refaites au XVIIe siècle. Vous voyez, ça prouve qu'à l'époque, on savait encore faire de l'art gothique en plein XVIIe siècle. Pour empêcher l'effondrement, il faut 900 000 euros d'urgence. L'hôpital, propriétaire des lieux, et le ministère de la Culture sont prêts à payer environ un tiers chacun. Mais pour boucler le budget, il faut des dons. Alors qu'en début septembre, le lieu a été sélectionné pour bénéficier du loto du patrimoine, ces passionnés ont repris espoir. Pour nous, c'était inespéré pratiquement. On s'est déjà réunis, nous, pour savoir comment on allait organiser toute cette opération. Bon, j'ai vu qu'il y avait déjà des dons qui ont été déposés directement sur le site de la Fondation du patrimoine. Ces 900 000 euros seront une première étape avant d'espérer des financements plus importants. Important pour faire revivre le lieu qui s'est déjà relevé de nombreuses fois. C'est la renaissance, vous voyez, encore une des multiples renaissances de cette église. Hein, je vous rappelle la guerre de 100 ans, les guerres de religion. Bon, maintenant, ça redémarre.
Donc c'est le 21e siècle qui va se mettre à son tour là, pour remettre en valeur cette église. L'association profitera des journées du patrimoine pour faire visiter ce trésor caché à des donateurs potentiels. Et voilà pour ce reportage de Jérôme Rabier. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Quentin, on en parlait. On commence avec la une du Dauphiné libéré à Grenoble qui titre sur la rencontre entre Michel Barnier et les parlementaires de droite. Voilà, Michel Barnier chez lui et en famille, titre ce matin le Dauphiné libéré à Grenoble. On voit la photo avec Bruno Retailleau, Gérard Larcher, François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez à leur rencontre avec Michel Barnier. Et à l'intérieur du journal, on lit ce titre, un Premier ministre champion du ni oui ni non, puisqu'il n'y a toujours pas de non pour le gouvernement dans l'attente de l'annonce de ce gouvernement. Plusieurs journaux font leur une sur l'abbé Pierre. Oui, on lit qu'Emmaüs veut tourner la page de l'abbé Pierre ou encore que son nom se retrouve à la rue. Dans la communauté Emmaüs, on décroche les portraits de l'abbé. Dans les pages intérieures du courrier Picard, on lit cette question, faut-il débaptiser les rues Abbé Pierre? Il y a 4 communes en Picardie qui sont concernées. Il y en a 150 en France avec des noms de rues qui portent le nom Abbé Pierre. Les habitants et les élus hésitent. Certains conseils municipaux vont mettre la question à l'ordre du jour. L'Union de Reims déclare ouverte la saison des vendanges. Vendanges 2024, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné hier dans la Marne à Cézanne. Il s'agit des premières grappes de Pinot Noir, avis aux amateurs. Les cueilleurs ne vont plus lâcher la grappe du raisin, lit-on dans les pages intérieures. Cette année, l'état sanitaire des raisin n'est pas extraordinaire, avec des traces de mildiou sur certains plants. Seul motif de réjouissance, la fraîcheur de ces jours-ci qui va conserver au frais le raisin pendant les vendanges. Quentin, on change pas vos habitudes du vendredi. Le vendredi, c'est idée de sortie. Voilà, et tout, vous saurez tout sur la braderie. J'ai failli le chanter, mais non. La braderie de Lille, c'est ce week-end dans Nord-Éclair. On lit tous les conseils pour bien arpenter la fête, les rues. Un plat de moules frites, c'est 10 à 20 euros, lit-on dans le journal. Ce sont 500 tonnes de moules qui devraient être consommées ce week-end. Avis aux amateurs. Merci Quentin. La une de la revue Regarde du cœur à gauche. Oui, du cœur à gauche. On a fait une radiographie de la gauche et de tous les défis auxquels elle est confrontée et il y en a pas mal. Merci beaucoup Pablo. Merci beaucoup Louis d'être venu. Merci.